Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo trop cool parce qu'on va faire une espèce de petite dégustation. Aujourd'hui je vais aller tester la meilleure boulangerie pâtisserie française ici à Dubaï. Donc j'ai fait mes petites recherches sur internet. On m'a donné le nom de la meilleure boulangerie pâtisserie. Apparemment c'est un français qui la tient. Donc on va y aller et on va aller tester tout ça. D'abord je vais me changer et je vous retrouve tout de suite. Ça y est, je me suis habillée très confortablement. Ne faites pas attention au bazar derrière. Tout simplement parce que, je sais pas si vous avez suivi, déjà je me suis habillée confortablement et il y a du bazar pour la même raison. C'est que je me suis arrachée l'ongle de pied. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez. Si vous ne me suivez pas encore, qu'est-ce que vous attendez? Ça a été très compliqué, je dois rester vraiment le plus possible allongée, pas bouger. J'ai souffert, donc là j'essaye de reprendre un petit peu du poil de la bête et c'est pour ça que là je sors spécialement pour cette vidéo. Mais comment vous dire que dès que j'aurai fini de filmer cette vidéo, je vais directement retourner m'allonger. Donc voilà, je vais quand même essayer de ranger un peu mon appartement parce que moi je sais pas vous. Et quand mon appartement est pas rangé, mon esprit n'est pas rangé. Donc il faut vraiment que je m'en occupe cet après-midi et que bah, je prenne le temps de le faire. Donc voilà, mais avant tout ça, on va aller tester la petite boulangerie pâtisserie et j'ai très très hâte, donc je vous emmène. Je vais peut-être pas prendre ma caméra, je pense que je vais vous filmer à l'iPhone. La dernière fois je trouve que ça avait pas trop mal rendu, je trouvais que la qualité était pas trop mal. Puis bah c'est parti. C'est trop bien parce que la pâtisserie, je viens de mettre le taxi, elle est juste à 10 minutes de la maison, donc ça va aller très très vite. Je vous montre rapidement ma petite tenue. J'ai juste mis un petit ensemble, une chemise, un short en satin, et au niveau des pieds j'ai mis mes chaussures les plus confortables. On voit le petit pansement. Let's go pour marcher comme ça. Ok, donc on est arrivé, c'est ici, on va voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est David Croisé Pâtisserie. It's only pack, you don't have like one, please. Flo, tu me conseilles de prendre quoi en plus? De tester un truc d'ici, genre opéra, mania flan. Ouais, mais je teste quoi? Ok les amis, bon, en fait j'aurais dû prendre ma caméra. Avec nous on va manger un truc ici. Moi j'ai pris un croque monsieur, toi t'as pris quoi? Avocado toast avec des... Ouais, lui il a pris un avocado toast, moi j'ai pris un croque monsieur pour rester dans un truc bien français. Et là on a tout le reste que j'ai commandé et ça je l'ouvrirai à la maison et je testerai ça à la maison avec vous. Je vous donnerai les prix, parce que c'est pas donné. Je dirai combien j'ai payé tout ça et on fera un petit crash test ensemble. Mais là on va déjà manger. La qualité elle est pas ouf. Attendez, je vous nettoie. Bon, je vais pas vraiment mieux, en fait je crois que c'est la luminosité qui va pas. Enfin bon, on va manger et je vous dirai. Le plus quand je suis à Dubaï, c'est le pain beurre. Et là, il y en a. Tu viens de pas te faire ça quand même. Il vient de mettre du sel sur son pain beurre. Non, on fait ça. Non, personne ne fait ça. Est-ce que vous faites ça? Mettre du sel sur votre pain beurre? J'aurais jamais pensé que ce serait aussi gros. Et tu penses que c'est fait maison? On va tester. Je sais pas, parce qu'ils ont mis un peu de temps à le préparer quand même. Donc, c'est la suite de Flo. Français? Oui, français. C'est pour ça. Biarritz. Biarritz. Ah, Paris. Paris. Nous inviter à venir voir l'intérieur de la pâtisserie. Je vous emmène. Même si on a des machines, tout, on fait tout à la main. Il n'y a aucune. La machine ne vient pas là pour façonner. C'est manuel. Le président en France. Ok, énorme. Donc la crème des vins, que des bonnes marques. Et c'est pour ça que ça sera toute la différence avec tout ce que tu verras sur Dubaï. Il n'y a pas de problématique pour l'importation de France ici, c'est assez simple. Ouais. Depuis qu'il y a les gros hôtels, depuis Jumeirah, tout ce qui est arrivé, vraiment sans problème. Il est 15h30, donc ça fait quoi, une heure et demie qu'on est là. Et en fait on a discuté avec David, du coup, celui qui a cette pâtisserie. Il nous a montré tout l'intérieur et tout comme je vous ai montré. Donc trop dommage que j'ai pas pris mes caméras, mais j'aurais jamais pensé que ça se passe comme ça. Donc trop cool, on rentre à la maison et je vous ferai la dégustation.
Bon les filles, ça y est, je suis rentrée. Je mange pas, enfin j'ai pas mangé tout de suite. Là il est actuellement 16h41. Je vais me faire un petit goûter entre guillemets. J'avais pas très faim vu qu'on a mangé comme je vous ai montré quand on était là-bas. J'ai mon bol de bétadine à mes pieds. En ce moment ma vie c'est un mess les filles, je vous jure. Enfin bon, croissant pain au chocolat. Alors moi je suis de la team qui dit chocolatine. Je suis désolée, je suis du sud-ouest. Mais il y avait écrit pain au chocolat donc je répète ce qu'il y avait écrit. Même si pour moi, du pain au chocolat, c'est juste du pain et du chocolat. Ici, on a une baguette. Alors, c'est une baguette qui est pré-cuite. En fait, il m'a expliqué qu'il fallait la mettre au four. Parce que sinon, ça pourrissait trop vite. Parce qu'il met pas d'additifs à l'intérieur. Pour que ce soit tout naturel, en fait, tout simplement. Il faudrait que je la mette au four. Et ensuite, on a un petit éclair à la vanille. Moi, ce que j'ai trop envie de goûter en premier, c'est ça. Donc, je pense que c'est un petit éclair, genre revisité. Puisque la forme d'un éclair de base, c'est un tube. Moi, vraiment, les éclairs à la vanille, c'est toute mon enfance. On n'en trouve plus partout, j'ai l'impression. Moi, quand j'étais petite, vraiment, je prenais que ça. Je prenais pas les éclairs au chocolat, au café et tout. Genre, moi, vraiment, j'étais une fan d'éclairs à la vanille. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit un peu obligée de le prendre. Et puis après, je me suis dit croissant, chocolatine. Désolée, mes vieux démons ressortent. Croissant, chocolatine, je me suis dit que c'était obligatoire que je teste. Et pour un truc un peu plus fancy, j'ai pris l'éclair à la vanille. Donc, je pense qu'on va commencer par tester ça. Voilà à quoi ça ressemble. Attendez, j'ai des très grandes attentes parce que du coup, il nous a montré tout l'intérieur. Comme je vous ai montré un peu l'intérieur de la pâtisserie, etc. Que tout est vraiment fait main, il a aucun prémix, genre il y a aucun truc qui est tout fait. Apparemment, il fait tout lui-même avec des produits français, du beurre président et tout. Donc, j'ai des grosses attentes. Il est très bien noté sur Google, il est noté 4,9. Il est très très bien noté et c'est le premier que j'ai trouvé quand j'ai tapé boulangerie, pâtisserie française à Dubaï. Donc, ok, c'est très très bon. Déjà, il est bien fourré en vanille, donc vraiment, genre on n'est pas sur un éclair radin. Il n'y a pas de glaçage au-dessus, donc ça change vraiment. Normalement, vous savez, sur un éclair, il y a le glaçage à la vanille, donc ça change le goût. Mais sinon, la pâte m'a l'air d'être pareille. Il est bien fourré, il est bien moelleux, vous voyez, c'est pas sec. Il est bien moelleux. Je mettrai pas 10 sur 10, parce que pour moi, il manque le petit glaçage. Je trouve que l'éclair à la vanille, pour moi, il faut vraiment le petit glaçage par-dessus, quoi. C'est la base, donc je vais enlever deux petits points pour ça. Donc je vais donner un 8 sur 10 pour cet éclair à la vanille. Par quoi on commence? Je vais pas manger l'éclair en entier, je vais manger la moitié. Elle est vraiment immense. Regardez ma tête à côté, c'est une très très grosse chocolatine. Moi ce que j'attends c'est de voir l'intérieur. Elle est vraiment très très grosse. Est-ce qu'on a bien le feuilletage? Ouh. Il y a pas de chocolat, il y a pas de chocolat. Donc le feuilletage est incroyable, vous voyez que c'est bien bien fluffy, c'est pas sec et vous voyez il y a plein d'étages, c'est pas vide parce que quand tu ouvres une chocolatine et qu'elle est vide à l'intérieur, en général c'est pas ouf. Par contre je ne vois pas le chocolat. J'ai bien pris un pain au chocolat pourtant. Ah, il est là. La pâte est très bonne, le feuilletage est très très bon. Encore une fois, c'est pas sec, le feuilletage est vraiment incroyable. Par contre, j'avoue que le chocolat est peu présent. Alors, est-ce que c'est pas parce que j'ai coupé? Normalement, tu vois, il devrait être en longueur. Je devrais croquer dedans et qu'il y ait du chocolat partout. Je trouve qu'il manque un tout petit peu de chocolat. S'il y avait eu du chocolat partout, ça aurait été vraiment un 10 sur 10 quoi. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé des prix. Pour tout ça, plus ce qu'on a pris au déjeuner tout à l'heure, donc le croque-monsieur, j'ai pris un jus de citron vert, Feu, il a pris une bouteille d'eau pétillante, un avocado toast et tout. J'en ai eu pour 47,30€. Je pense en avoir pour beaucoup plus. J'en ai eu pour 190 AED. Je vais vous donner le prix à l'unité. L'éclair à la vanille, j'ai payé 16 AED, 16 dirhams, ce qui revient à 3,96€. Donc en gros, 4€ l'éclair à la vanille. Le pain au chocolat, j'ai payé 3,50€ la chocolatine. Elle est quand même très grosse, beaucoup plus chère qu'en France, mais bon voilà. Et le croissant était à 3,20€. Un croissant en France, en général, c'est 90 centimes, 1€. Un pain au chocolat, je dirais que c'est 1,20€. Je pense que ça dépend des boulangeries, mais en moyenne, on est dans ces prix-là. Donc on est clairement au double. Après, est-ce qu'on est étonné? Non, parce qu'on est à Dubaï. Ils sont obligés de doubler les prix, parce qu'il faut importer tous les produits français. Il fait tout à la main, c'est pas des prémix, donc je comprends le prix. On n'est pas non plus sur du 10€ le croissant. Je trouve ça raisonnable. On va goûter le croissant. Je suis un peu déçue, hein, franchement, pour la chocolatine, je vais pas vous le cacher, parce que vraiment hein, comme vous le voyez, le feuilletage est fou hein. Vous voyez, c'est vraiment bien moelleux. Je pense que vous le voyez à la caméra, on voit bien tous les étages ici, et ça, quand vous ouvrez une chocolatine ou un croissant, si vous voyez qu'il y a tous les étages comme ça, ça veut dire en général que c'est vraiment un bon produit. Si vous ouvrez et qu'il y a des énormes bulles d'air et qu'il y a quasiment pas de feuilletage, en général c'est pas super positif. Donc voilà, je vais vous montrer le croissant, toujours énorme hein. Par contre les croissants, on va se dire la vérité, ils sont vraiment très très gros, beaucoup plus gros que des croissants qu'on peut trouver en France en général, je dirais. Vraiment, il est beaucoup plus grand que ma main. Franchement, très belle portion. On va ouvrir. Ah ouais, c'est pareil, hein. C'est fou. Ah ouais, le feuilletage est fou, regardez. On a vraiment un croissant bien rempli, bien bien moelleux. C'est vraiment pas les croissants secs où genre vous appuyez dessus, il y a tout qui tombe et tout. Enfin franchement, je vais goûter.
c'est vraiment bon. Je mange comme un porc. On retrouve vraiment le goût d'un croissant français. Ce qu'on retrouve pas dans les boulangeries ici, quand c'est pas un français qui le fait avec des produits français, le goût est vraiment différent. Là, j'ai vraiment l'impression d'être dans une boulangerie en France, quoi. Et une bonne boulangerie en plus, j'aime beaucoup les filles. Mais je me demande si je préférerais pas le pain au chocolat plutôt que le croissant. Moi, de base, je suis quelqu'un qui préfère vraiment les croissants. Je dirais que les deux sont aussi bons. Je donnerais pour, bah, comme j'ai dit, la chocolatine était très très bonne. Mais je suis déçue qu'il n'y ait pas plus de chocolat. Pour moi, dans une chocolatine, il faut qu'il y ait plus de chocolat. Donc, je donnerais 8 sur 10. Et le croissant, c'est un bon croissant. J'aurais bien aimé le manger chaud. Je donne un bon 9 sur 10, je crois. Vous savez ce que j'aurais aimé? Encore plus de beurre. Oh, les croissants où tu sens tellement le goût du beurre là, je sais pas si ça veut dire que c'est très qualitatif, ça se trouve pas du tout. Franchement, si vous habitez à Dubaï, que vous avez envie de retrouver une bonne pâtisserie française, de trouver des bonnes pâtisseries, bah allez là-bas. Vraiment, c'est très bon, j'aurais bien aimé goûter d'autres choses. Il m'a dit que sa spécialité vraiment, ce qu'il vendait le plus ici, c'était la religieuse. Je crois qu'il a plusieurs goûts, mais je l'ai pas vu en rayon. Donc, quoi? La religieuse, la tropézienne, pardon. Ce qui vend le plus, c'est la tropézienne. Il a plusieurs goûts, il a dit. Pour ce qui est de la baguette, je vais pas la faire réchauffer maintenant parce que sinon je vais la gaspiller. Mais on l'a goûté tout à l'heure. Le pain était très 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 bon. Il met pas d'additifs à l'intérieur, donc si vous achetez la baguette, faut la consommer rapidement, quoi. Enfin, le but c'est pas de la laisser une semaine sur la table. Bon, moi, je pense que là, je vais peut-être la mettre au congèle. Ouais, slice the baguette into 4 pieces and freeze it. Ouais, il conseille de la mettre au congèle et de la couper, ou alors de la consommer directement. Flo, t'en as pensé quoi du pain? Il a aussi fait son beurre maison, donc on a mangé du pain beurre tout à l'heure, c'est du beurre maison. Oh là là. Vraiment, c'était trop bon. Donc franchement, je recommande, il fait des brunchs le samedi, on nous a dit. Donc brunch à volonté, il faudrait peut-être qu'on aille tester, donc je vous dirai aussi si j'y vais. Si c'est bien. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres genres de concepts comme ça, genre que je teste la meilleure quelque chose de Dubaï. Je le ferai avec grand plaisir parce que j'adore les concepts food et vous aussi, je crois. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo et je vous retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!